Bon, hey Yann, là, question. Ah, oui. Là, c'est fini. Question. Là, là. La police du plaisir. Ouais, il est bla, 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 la police bla, du bla, plaisir. Bla, 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 bla. T'es puni. Ouais. Ah, si, je pense que j'ai trouvé mon homme. Non, ouais, mais. Ouais, je pense que ça va être long. Je pensais que tu me dirais jamais. En mangeant des retailles de chips. Je veux pas aller chercher les grosses. Pourquoi? Ça a l'air mal propre à la TV. Ouais, je rephraserais, je pense. Ouais, je rephraserais si c'était toi. Je sais pas si on peut se le permettre au montage, là, mais. J'ai mis une petite graine. Ben, bien joué, bien joué. Parfait. C'est beaucoup mieux comme ça. On a notre shot, tout le monde. Hey, Yann, rappelle-toi de ce shot-là, on va envoyer ça aux enfants de la télé. Des là, il va brailler, aussi. Non, mais j'ai fendu en deux, je m'en voulais. Parce c'est, quoi, que... c'est quoi l'extrait que t'as fait casser? Ils ont fait un montage à la fin de mes 40 ans de gamin. Non, mais il y avait tout. Ils ont mis mes parents morts. Dans leur cercueil, genre, ou des choses d'avant? Ah, ben... ça aurait été malade qu'ils déterrent pour les prendre en photo. Tu le sais pas, mais ce que tu vois là, c'est les restes de tes parents, Stéphane! Ah, je sais pas ce non, que non, ça me fait, là. Ils ont fait, puis ils ont mis une toune qui me touche derrière ça, là. Une vraie toune ou une... Une toune de François Hardy qui était à la fin des invasions barbares. Écoute, ben, là, j'essayais de parler à la fin, mais j'étais pas capable. Puis là, je chantais que j'étais même pas capable d'être audible. Je pleurais comme un petit quelqu'un qui pleure, là. Ah ouais, mais ouais. Ça, c'est... Ça, c'est ça. Tout le temps le mot « juste ». Tout le temps. Ben, merci. Depuis qu'il est auteur, c'est ça a tout changé. C'est les mots qui choisissent une poésie constante. Je pleurais comme quelqu'un qui pleure. Moi, je pleurais comme quelqu'un qui pleure, puis comme quelqu'un qui avait des larmes, et puis c'est quelqu'un qui vivait une émotion. Exactement. J'ai donné mon 110%, puis... puis je tenais un coin de l'émotion. De ce que j'ai fait. Je suis sorti de là en pleurant. J'ai puis, pleuré. Parce que l'équipe était contente. Puis, parce qu'on a fait un beau travail. Parce que c'est sûr que tout le monde était satisfait. Puis, c'est sûr que c'est pas... Quand j'embarque sur la glace d'alarme, j'ai un travail content, à faire. Quand t'es content, t'es content. C'est sûr que tout le monde était satisfait. Puis il y a des périodes plus tough que d'autres. L'important, c'est de pleurer. Et de se présenter, tout le monde. Et d'arriver au but. OK. Exactement. Cheers.